belle Luc. Petit orphelin. Fou. Sur la planète Zarma. Fou. Quand je rencontre... Princesse. Attention, c'est ta sœur à la base. Hein. Il ne sait pas. Je ne sais pas. Au début, à l'âge, je crois que... La petite fille qui a... Une espèce de pain au raisin sur le côté. On y va. Tout de suite, elle m'attire. Elle me dit appliquer. Elle me dit habiter. Pardon. Sur une planète aussi lointaine que la mienne. Là où poussaient des petits gnomes et des arbres resplendissants. Bouge pas, elle lui amène un message. Enfin, c'est elle qui dicte le message. Tu lui dictes le message, tu lui parles plus. Mon cher, des deux hirons. Non, pas toi, on y va. Mon poussin. Tu n'as pas pensé acheter du lait pour ce matin. Et sache que Chewbacca détient la clé du royaume. Ça, c'est comment on va faire? Comment on va faire pour rentrer maintenant, hein, dans notre vaisseau? J'ai compris le message. C'était poétique. Aïe, aïe, aïe! C'est poétique! Non, je crois qu'il y a un message caché, quelque chose un peu comme... Peut-être qu'il va nous aider. Je suis un protocole? Comment tu t'appelles? Protocolus? D'accord. C'est bien. Est-ce que tu peux nous aider? Oui. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Chewbacca? Chewbacca, tout à fait. D'accord. Chewbacca? Non, je dirais pas ça quand même. Oh si, j'adore les poils. Chewbacca, même pas qu'on le touche. Est-ce qu'il y a moyen de développer une histoire qui, avec ça, t'en fait des milliards? Chewbacca, est-ce que tu peux nous aider? Apparemment, c'est toi qui aurais la clé du royaume des méchants et des gentils. Non, mais non, il vient de le dire. Non, mais il parle pas français. Explique-toi clairement, Chewbacca, et montre-nous où caches-tu cette clé. Est-ce que tu as un maître, un traducteur, quelque chose comme ça? Oui, c'est moi. Alors. D'accord, en fait tu parles le chien, le singe là? Je parle n'importe quelle langue. Ah super, alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a oublié cette affaire chez lui. Mais non, c'est la clé du chien. Mais attends une seconde. Justement, sa clé, elle était dans son pantalon qu'il a oublié chez lui. Parce qu'il met des pantalons. Il met des pantalons. On est sur une planète décente, hein, donc. Oui, bon, c'est vrai. Non, toi, elle est tellement pas. Alors. Il est très triste. Ça me fait pas penser à cette histoire. Si, il est très triste parce que en fait, il a ramollé dans son pantalon. Il a ramollé. Il a ce petit jean. Très triste. D'accord, ben bah, écoute, tu le remercies pour sa grande utilité. En fait, il a ça. Et ça mange quoi? Ça a des os, des chiens, des lapins? Ça mange quoi? Alors, mon vieux Jedi! Comment ça va? Ah, les gardes de l'Empire attaquent, maître! Ah, ils m'ont dit de vous passer un message! Dans 3 minutes, la planète va exploser! Ah, ah voilà, oh. Ça c'est beaucoup plus clair comme message plutôt que le singe, ça nous laisse 3 minutes, une minute, 3 minutes! Je suis un père.
sais, mais il est en maison de retraite. Il n'est pas en maison de retraite. C'était pour te faire croire. Mais en fait, c'est vraiment toi, Luc, ton père, Luc, qui saura que j'ai raison. Alors, mon bleu, montre-nous ta tache de naissance comme lui, il a sur la cuisse. Ah, oh, pardon, voilà tout de suite. J'exige cette preuve. Il faut faire vivre ma combinaison. Oh mon Dieu, lui aussi, il a plein de poils. Mais bon, bonjour, Maca, je ne sais pas ton père à toi. Maintenant, rejoins-moi. Et viens aussi avec ta sœur. Et mon frère. Léa, je suis aussi ton père. Du coup. Bon, bah, du coup, vu qu'on s'est retrouvés, peut-être aller au ciné.